Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. J'ai vu que ça augmentait, donc je pense que c'est parce que je publie plus. Donc je suis très contente. N'hésitez jamais à commenter, je réponds toujours, je suis en retard. Comme je vous l'ai dit, je suis encore allée chercher des colis pour les cadeaux de mes petits-enfants. J'ai fait des courses, donc c'est vrai que voilà, et puis vous êtes de plus en plus nombreux, donc il y a de plus en plus de commentaires, donc je rame un peu, mais je réponds. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, comme j'avais reçu beaucoup de cadeaux d'abonnés et d'amis à la période où j'ai eu mal au dos, et que là, ils s'entassent en fait, je me sers des produits, je remets dans le colis, etc. Et que faire une seule vidéo par colis, ça me fait faire plein de vidéos en fait, partage de colis. Et je me suis dit que ça n'intéressait peut-être pas tout le monde. Donc j'ai décidé de faire une seule vidéo pour vous présenter tous les colis que j'ai reçus, tous les cadeaux que j'ai reçus. J'ai utilisé quasiment tous les produits, donc je vais pouvoir vous en parler très rapidement. De toute façon, on les testera en routine comme d'habitude. Donc la vidéo va être longue, donc je m'arme de courage. Et comme ça, si vous voulez la regarder en plusieurs parties, eh bien vous pourrez le faire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a eu les nouvelles mesures d'assouplissement, de déconfinement, bah, on va faire avec. Moi, j'ai pris une décision qui m'a pesé très très lourd sur le cœur, mais j'ai des enfants qui ont très bien compris. J'ai décidé de ne recevoir personne à Noël, donc mon fils de toute façon ne pouvait pas monter. Je l'ai dit à certaines d'entre vous sur Instagram parce que il travaillera à l'hôpital et il a ses partiels 14, 15, 16 décembre de toute façon. Donc il vit à Montpellier, donc voilà. Et mes deux filles, il y en a une qui est à Pau chez son petit copain, donc la moyenne, Marie, qui a 24 ans, et Aurore qui a les deux petits. Donc on aurait été Aurore, Marie et moi, et les deux petits. En sachant que je vis en ermite, comme vous le savez, depuis le premier confinement, depuis l'apparition du virus en fait, et que aérer ma petite pièce, hein, parce que j'ai un 50 mètres carrés, donc la pièce dans laquelle on aurait été doit faire 20 mètres carrés, aérer toutes les heures avec les deux bébés de 2 ans et demi, enfin bébé, petit garçon de 2 ans et demi et le bébé de 1 an, bah, ça n'aurait pas été génial. Les masques, le petit de 1 an les retire, Ambroise qui a 2 ans et demi ne comprend pas bien. Et nous, franchement, ne pas pouvoir se prendre dans les bras, ne pas pouvoir câliner les petits, ça aurait été encore plus cruel, je crois, que de mettre 2020 entre parenthèses. Donc mes filles m'ont dit, maman, tu es à risque, c'est toi qui décides et on t'en veut absolument pas. On met 2020 entre parenthèses. Donc c'est très très dur parce que je me souviens que l'année dernière, Aurore était prête d'accoucher donc de Simon, du deuxième, et on se faisait une joie en fait de ce Noël-ci en se disant oh là là le petit parce qu'on savait pas le sexe le bébé aura presque 1 an, Ambroise aura 2 ans et demi, ça va être un Noël génial, etc. Et en fait, bah, ça va pas du tout être un Noël génial puisque je vais être seule avec Granny. Et ma maman, qui est seule aussi, bah, je lui ai dit, écoute, on se fera notre petit Noël à distance. Elle est à 400 km de chez moi. Je ne l'ai pas vue depuis 1 an et demi. Donc voilà, je tourne parce que ça me fait du bien. Je sais que être avec vous via ce téléphone, en fait, me fait énormément de bien. On discute énormément sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir. Je réponds en général assez rapidement sur Instagram, plus que sur YouTube, parce que c'est plus de l'instantané. Donc n'hésitez jamais. Donc voilà, décision difficile, mais qu'il fallait que je prenne, parce que je suis vraiment trop à risque pour risquer pour quelques heures qui seront de toute façon bizarres cette année, de tout foutre en l'air et en fait de faire culpabiliser aussi mes filles si jamais j'attrape cette merde. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais filmer. J'essaye de vraiment vous filmer le plus de vidéos possible déjà parce que ça me fait du bien et aussi pour vous changer les idées parce que vous êtes beaucoup à me dire que ça vous change les idées et je le comprends. Je le comprends vraiment. Donc on y va.
premier colis que j'ai reçu d'une amie. Alors, je veux préciser, je remets les choses en l'ordre, que tous les produits que je vais vous présenter, à part celui d'Angela, je ferai peut-être une vidéo à part parce qu'il y a pas mal de produits, mais les colis que je vais vous présenter là, ce sont des produits en fait que les personnes m'ont envoyés parce qu'elles ne se servaient pas des produits, parce qu'ils ne leur convenaient pas, parce qu'elles voilà, elles ne les utilisaient plus. Ou elle n'allait pas les utiliser, donc plutôt que de ne pas s'en servir ou de les jeter carrément, elles ont préféré me les envoyer. Donc merci beaucoup parce que moi tout me convient largement, vous allez voir. Et voilà, premier colis, tu te reconnaîtras, donc je te fais des milliers de bisous parce que c'est un merveilleux colis. Donc on va commencer par ce qu'elle m'a envoyé. Donc dans ma routine, vous avez vu qu'elle m'avait envoyé en premier un beau reste du melon peptide crème gel de The Body Daily. Qui est un gel en fait très très hydratant, vous l'avez vu dans la routine, donc qui est avec des tripeptides 5, de l'acide hyaluronique, du COQ10, du cantaloupe, c'est un anti-âge et c'est à mettre avant les sérums. C'est très 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 hydratant et nourrissant en même temps, ça se présente comme ça, donc il en faut très peu. Françoise m'en avait envoyé deux pots, donc je le connais bien. Il est fait pour éclaircir le teint, hydrater. Enfin, il a une composition magnifique, comme toujours chez The Body Daily. J'adore ce produit. Dommage qu'il coûte 87 euros parce que je me le serais acheté en full size. Il fait quand même 60 grammes. Hein. Ce n'est pas du 30 ou du 50, c'est du 60. J'adore ce produit. Vraiment, il laisse la peau très, très douce, très hydratée. Et à la limite, on peut, je pense que l'été, on peut ne mettre que ça. J'adore. Voilà, j'adore. Donc, ce sont des super foods. Donc là, il était au frigo. Je ne sais pas si vous le verrez, mais je conserve au frigo. Voilà, donc ça c'était pour le premier très beau cadeau. Le reste, ce sont des produits neufs qui ne lui convenaient pas, des produits reçus dans la box, dans les box, voilà. Donc ben, en fait, je suis très contente que ces produits ne lui conviennent pas parce que ben, moi, ils me conviennent tout à fait. Vous verrez que j'ai reçu un autre colis d'une abonnée. Pareil, les produits ne lui convenaient pas à sa peau. Bah, c'est le risque en fait d'être abonné au box. On reçoit des produits qui ne sont peut-être pas adaptés à notre peau. Donc là, je suis, mais on en entend tellement parler et je l'ai déjà essayé. C'est un bijou. Voilà, donc dans les nouveaux packaging, elle m'a envoyé neuf, hein, le sérum Elemental, enfin c'est pas un sérum, c'est une essence, donc un pré-sérum, le Elemental de Naturalogique. Donc là je suis, quand j'ai ouvert le colis, heureusement qu'elle m'a dit, bon j'ai été gâtée de toute façon par tout le monde, mais heureusement qu'elle m'a dit que c'était des produits qu'elle n'utiliserait pas que du tout, parce que il y en a pour une petite fortune dans ce colis, et à chaque fois que je découvrais un cadeau, je me disais, mais mon Dieu, c'est jamais j'aurais pu me les acheter, quoi. Et bah, j'en rêvais, voilà, comme tout le monde. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc je l'ai déjà utilisé. C'est une essence à base de vin rouge, comme le masque Luna de Naturalogique. Et c'est à appliquer, on applique une ou deux pompes après le nettoyage de la peau. Et voilà, ça va hydrater en profondeur. Il y a énormément d'ingrédients, donc vous en ferez une revue quand on l'utilisera. C'est un petit bijou, donc c'est un beau flaconnage en verre un peu poli. Ça sent un petit peu le vin rouge, mais pas écœurant, pas puissant. Et voilà, c'est un... Alors, je découvre les pré-sérums, hein, les essences en ce moment. Vous le verrez, notamment avec un échantillon que j'avais reçu de l'une d'entre vous, de l'essence Wamisa nourrissante. C'est très bien, surtout à cette période-ci, en fait, mettre un pré-sérum plus un sérum et un petit moucheron. À cause des plantes vertes, ça, bah, ça rajoute une couche d'hydratation. Donc, un petit bijou. Merci à toi. Franchement, je le voulais, quoi. Je le voulais forcément. Hein. Donc, 60 millilitres, une beauté, une beauté.
que j'utilise. Hein. Parce qu'il y a un petit moment que j'ai reçu ces produits. Ensuite, un autre produit qu'elle n'allait pas utiliser. Reçu aussi dans une box. Voilà, ouais, c'est ça. C'est le Unmask de Naturalogic. Donc, plein, neuf. Je suis ravie parce que je l'avais reçu en échantillon, un bel échantillon de... Bah, j'en avais reçu un de Nadège dans ma bulle Ilia. Gros bisous ma biche. Et de je ne sais plus qui. Il faudrait que je re-regarde les vidéos où je vous présente les produits. Et vous savez que je le fais, ce masque, qui est un masque purifiant, mais à base d'huile. Donc il est purifiant, détoxifiant et à la fois hydratant. Il ne sèche pas. On peut le laisser poser le temps qu'on veut. Et voilà, il va désobstruer les pores parce que... Oh, il m'énerve ce moucheron. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas parce qu'on a une peau sèche et déshydratée comme la mienne. Quoique j'ai l'impression qu'elle devient plus normale. Grâce aux soins que j'applique, en fait, je souffre plus vraiment de déshydratation et de sécheresse comme je pouvais en souffrir avant. Voilà, on a besoin de se désobstruer la peau, de la détoxifier parce qu'on crée quand même du sébum. Moi, j'ai quelques petits points noirs, enfin, très peu sur le menton et sur le nez. On a aussi des pores sur le côté. Alors, je vais le faire beaucoup moins souvent qu'une personne qui aura la peau grasse ou mixte, mais je le fais environ une fois par semaine. La marque conseille de le faire 4 jours de suite pour avoir vraiment un côté très détoxifiant. Moi, je le fais qu'une fois par semaine parce que je n'ai pas la peau mixte, grasse, ni même normale. Je ne pense pas. Elle est quand même, il lui faut vraiment beaucoup de choses parce qu'elle boit tout. Mais je le fais une fois par semaine pour vraiment voilà, avoir la peau bien propre, bien net, les pores resserrés. C'est un super masque que je vous ai déjà montré, qui a une texture assez spéciale. L'odeur est très sympa. Hein. C'est une odeur un peu florale, herbacée. C'est pas du tout dérangeant. Alors, il est neuf et c'est une gelée comme ça. Vraiment comme de la jelly anglaise. Et il en faut très très peu, donc ça va me durer une éternité. Donc, je vais le mettre au frigo. Il en faut très peu, vous l'avez déjà vu en application, vous avez des posts sur Instagram et j'ai fait une rubrique à la une masque dans laquelle voilà, je mets en story l'application du masque, le résultat après, ce que j'en pense, les ingrédients, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, on le réutilisera ensemble régulièrement. Donc, il s'appelle le Detox Hydration Mask. Voilà, donc détoxifiant mais hydratant parce qu'il contient du charbon, mais beaucoup d'huile. Et il contient, je crois, aussi des AHA, enfin des acides. Il est génial. Et l'aloe vera, évidemment, en premier ingrédient. Je vous en ferai pareil une revue. Voilà, il contient des AHA, donc des acides. Donc, il va vraiment... lisser la peau, lisser le teint, un petit bijou que je n'aurais jamais pensé avoir en full size. Je pensais m'arrêter aux échantillons que j'ai terminés, que je vous présenterai dans les produits terminés. Donc vous voyez, je reçois énormément de choses, mais je termine aussi énormément de choses parce que c'est souvent des échantillons ou des produits entamés. Donc il y a un turnover super et je ne gâche rien. Donc je suis trop trop contente et j'envoie aussi des échantillons. Je vais en envoyer là au mois de janvier ou fin décembre parce que mes petits pots sont prêts. J'en envoie aussi à toutes celles qui m'envoient. On fait un échange, sauf les abonnés en fait qui ne veulent rien en échange. Sinon, n'hésitez pas à venir me demander, celles qui m'ont envoyé des colis, hein, vraiment. Mais sinon, on fait vraiment des échanges parce que ça me paraît normal. Voilà. Essentiellement de produits que j'ai achetés ou que j'ai gagnés sur Instagram. Les cadeaux, j'ai du mal. J'ai du mal à donner mes cadeaux, en fait. C'est normal. Hein. Même un échantillon, j'ai du mal. J'ai l'impression de trahir la personne qui m'a envoyé le produit. Bon, bref. Voilà. Ensuite, pareil, dans la box, voilà un produit que j'ai déjà utilisé trois soirs, qu'elle n'aurait pas utilisé. Ils ont reçu des produits de la marque Fine, voilà, se présente dans une jolie boîte comme ceci, cartonnée. Et c'est un sérum en fait pour le dessous de l'œil, voilà, qui se présente comme ça. Vous avez déjà dû le voir passer, donc il était neuf, hein, pas du tout ouvert, voilà. Et c'est un sérum un peu, très liquide, mais quand même un petit peu gélifié, vous voyez. On l'appliquera ensemble,
Il est un petit peu gélifié, donc à queue gel, je dirais. Très frais, donc je vais le mettre au frigo aussi comment on dit? Multiplier les effets. Voilà, on est le soir. Hein. c'est un sérum avec de la mamélisse, de l'eau d'amamélis, des ferments lactiques, donc ça c'est très bien, de la glycérine, de l'eau de mer, il y a plein, 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 il y a de la niacinamide aussi, donc qui est un acide doux, de l'acide hyaluronique, du calcium, il y a énormément de très beaux ingrédients. Donc ça ne peut pas me faire de mal à mon contour des yeux. Et je pense qu'un sérum, c'est peut-être plus efficace qu'une crème ou autre. Je verrai les effets. Je vais l'utiliser tous les soirs. Comme ça, j'aurai vraiment les effets probants. Cruelty free, vegan, c'était un très très beau produit. Voilà, c'est un eye serum. Je suis ravie vraiment parce que je les ai vus passer. Évidemment, ces box voilà. Et à chaque fois, je fais waouh. Là, là, qui sont gâtés. Enfin, c'est vrai que la box, voilà. Vraiment, si j'avais 60 euros, c'est un peu plus de 60 euros. Si j'avais un budget de 60 euros à mettre dans une box, ce serait vraiment la box, voilà. Pas la Beauty Rose parce qu'elle est super chère. Enfin, disons qu'il faut sortir beaucoup d'un seul coup pour l'abonnement. Mais la box, voilà, il y a de beaux produits. Hein. Ensuite, toujours dans la box, voilà, ils avaient eu une box consacrée à Lovina. Et il y avait ces produits-là. Donc, ce sont des ampoules. Ça coûte une fortune en prix plein. C'est 125 euros. J'ai regardé ça. J'ai fait waouh! Un produit vraiment écoluxe. Donc, c'est du collagène en ampoule avec des ferments lactiques et des antioxydants pour plumper et revitaliser la peau. Je traduis. To plump and revitalize skin. Donc ça se présente. Alors j'ai déjà commencé. Le problème c'est que je vais mettre au frigo. Et quand j'aurai fini mon sérum à la vitamine C, j'entamerai cette cure de collagène. Parce que il ne faut pas mélanger à la vitamine C. Et je l'ai appliqué une fois. Je l'avais mélangé avec mon sérum à la vitamine C. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y avait la petite pipette à part. C'est à utiliser sur une période de 1 mois. Donc, il y a la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine à appliquer le matin et le soir. Donc, pas de vitamine C pendant 1 mois. Voilà, c'est du luxe. Donc, voilà, ça va, à mon avis, je vais rajeunir de 20 ans au moins. Je suis trop contente quand j'ai regardé, parce que moi, dès que je reçois un produit, je vous l'ai dit, je fonce sur le site, sur les sites, regarder ce que c'est, sauf pour ceux que je connais. Et là, quand j'ai vu le prix, j'ai fait waouh! Donc, Lovina, c'est une excellente marque. Ils font du skincare, ils font du maquillage. Maquillage pas très cher en plus. Donc voilà, je suis très très pressée d'utiliser tout ça. Mais je vais mettre au frigo pour que ça se conserve très bien. Il y a une abonnée, on a discuté ensemble sur Instagram, donc je ne t'ai pas encore répondu, qui m'a demandé, c'est Mystère, et tu t'appelles Mélanie, je crois. Donc, coucou Mélanie, tu m'as demandé pour le fond de teint Madara, comment je faisais pour le conserver. Je l'ai dit dans les vidéos, j'ai mis de la vitamine E dedans, donc quelques gouttes, hein, je crois que j'en ai mis 4 ou 5. Donc, selon ce qui te reste dans ton produit, ou s'il est neuf, tu peux mettre 4-5 gouttes de vitamine E. J'ai remué avec la pipette et je l'ai conservé au frigo et je l'ai depuis un bon moment. Et bon, je le termine en même temps. Hein. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Je suis en train de le terminer, mais il n'a pas du tout bougé. Hein. Voilà. Vraiment, le secret, c'est de conserver au frigo les produits green, bio, naturels, parce qu'il y a très peu de conservateurs. Alors, il y en a où il y a beaucoup de conservateurs. Vous savez que je les aime pas trop ces produits-là, mais ceux qui sont vraiment très très bien composés. Quand c'est une texture huileuse. À base d'huile, rajoutez de la vitamine E et vous conservez au frigo, il n'y a aucun problème, vous conserverez vos produits beaucoup beaucoup plus longtemps, vous rajouterez des mois de longévité. Voilà, donc je te réponds sur Instagram, mais si tu vois ma vidéo avant, et puis ça peut servir aux autres aussi. Et enfin, elle m'a offert deux baumes Uro.
Donc je suis trop contente parce que vous savez que ce sont mes baumes préférés. Donc vous savez qu'ils ont une gamme de doshas, donc ayurvédique, avec Vata, Pitta et l'autre, je ne sais plus, ça ne me revient pas. Donc là, j'ai le Vita, qui est à l'amande, à la cardamome rose et à la rose. Donc il doit sentir trop trop bon, il doit avoir une super senteur, un super goût quoi. Et l'autre, elle m'a offert le, oh là là, c'est écrit doré sur, c'est le Kaffa. Bah voilà, c'est celui que je cherchais, le dernier. Donc qui est au pamplemousse, gingembre, eucalyptus. Voilà, ça pareil, ça doit être super. Moi, j'aime beaucoup les baumes Hulot, vous le savez. Donc voilà pour ce premier colis. Donc je sais que tu vas regarder ma vidéo et vraiment je te remercie infiniment d'avoir pensé à moi parce que ce sont des produits que j'utilise vraiment et qui font du bien à ma peau comme tous ceux que vous m'envoyez et vraiment je les utilise tous hein, je n'achète quasiment rien donc voilà merci du fond du cœur. Je vous ferai une vidéo parce que je pense à je n'achète quasiment rien mais j'ai acheté un truc je vous ai mis un code promo de l'application Choose Choose que j'ai connu grâce à Aurélie sur Instagram qui avait partagé l'application. Salima en a profité pour se prendre un pochon botimiste, hein, donc qui est un site comme Oh My Cream, etc., qui valait, je crois, 79 euros au départ, qu'elle a eu, qui ensuite, ça c'est dur, hein, qui ensuite était remisé par Shoes à 39 euros, et avec le code d'Aurélie, donc qui lui faisait gagner 10 euros, elle l'a eu à 29 euros au lieu de 79 euros, et pour certaines ventes, les frais de port sont gratuits. Et en fait, c'est une application un peu comme Beauté Privée, Showroom, mais vraiment quand même de luxe, entre guillemets, de choses un peu différentes. Vous allez trouver de la déco, des affiches, hein, il y a beaucoup d'affiches, il y a des bougies, il y a de la beauté évidemment, green, hein, je crois, uniquement. Des vêtements éthiques, des chaussures éthiques, etc. Et il y avait une vente Absolution à moins 50, jusqu'à moins 50 frais de port offerts. Donc je vous présenterai ça. Je me suis acheté quelque chose avec le code d'Aurélie. Donc j'ai gagné 10 euros en plus des moins 50. Donc ça valait le coup sans frais de port. J'ai été livrée ultra rapidement. Ensuite, j'ai eu un code moi aussi que je vous partage. Donc ça vous fait gagner 10 euros, quel que soit le montant de votre commande. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et après, moi j'ai eu justement quelqu'un d'Instagram, je te fais coucou, tu te reconnaîtras, qui a utilisé mon code. Et j'ai pu m'acheter, grâce à deux personnes qui ont utilisé mon code, un autre produit Absolution. Je suis vite retournée sur Absolution parce que je m'étais dit, oh, je me prendrais bien ça, mais bon, quand même avec les réductions, c'est pas raisonnable. Et en fait, comme j'avais 20 euros de crédit, donc ça va vite, hein, j'ai pu me prendre un produit qui m'est revenu à 2 euros et j'ai reçu tout à l'heure. Donc je me suis maquillée avec, mais je ne donnerai pas d'indice. Voilà, c'était la petite parenthèse Shoes. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est une application hein, comme Showroom, etc. Il faut la télécharger. Et c'est vraiment chouette. Et puis une fois que vous aurez commandé, vous aurez aussi un code de 10 euros à partager, je sais pas, avec vos abonnés ou avec votre famille. Enfin, c'est très intéressant. Voilà, je fais une petite pause. Ça y est, ma voix s'en va. Pour rapatrier un deuxième colis. À tout de suite. Me revoilà. Excusez-moi, il y a eu un problème avec le téléphone. Deuxième colis. C'est un colis que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de Imane. Et Imane, si tu vois ma vidéo, ce que je souhaite, ce que j'espère, est-ce que tu peux m'envoyer un message sur Instagram parce que je ne te retrouve plus. Je voulais t'envoyer des messages pour te remercier encore et papoter. Et je n'arrive pas à te retrouver sur Instagram, ton compte. Donc n'hésite pas, viens me faire coucou. Que je puisse à nouveau te remercier. Donc, Imane, c'est une abonnée qui m'a pareil contactée sur Instagram en me disant, écoute, avec ma soeur, on a des produits qu'on n'utilise plus, qu'on n'utilise pas. Est-ce qu'on peut te les envoyer? Bah oui, bien sûr. Et merci beaucoup parce que ce sont des super produits. Donc, il y en a un que vous avez déjà vu. Elle m'a envoyé
Je suis super contente parce que c'est pas un produit que j'aurais acheté parce qu'il coûte quand même cher et parce que je ne mettais pas de sérum. En même temps, tous les sérums, les pré-sérums, enfin les sérums avant make-up, hein, coûtent relativement cher, donc je m'en suis jamais acheté, voilà. Et là, elle m'a offert neuf. Elle s'en servait pas. Le sérum Ilia, donc le priming sérum avant de mettre le produit teint. Donc, bah, je suis très très contente. On l'a déjà utilisé. Il est raffermissant et lissant et riche en aloe vera. Donc nickel, hein, voilà, conservé au frigo aussi, hein, vraiment tout, 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 je conserve au frigo. Donc elle m'a envoyé une gentille lettre avec un gentil mot. Vous savez que je garde tout, hein, j'en ai vraiment une belle épaisseur. Hein, peut-être qu'un jour je referai un récapitulatif. Ensuite, elle m'a envoyé un produit, celui-là, quand elle m'a dit on s'en sert plus avec ma soeur, on l'aime plus, on s'en est lassé, etc. Qu'elle m'a dit le nom, j'ai fait. Ah, bah oui, je le veux bien et je l'utilise depuis que je l'ai reçu. C'est un produit, toujours The Body Daily. Donc, je vais vous faire après une revue The Body Daily assez conséquente parce que j'ai pas mal de produits et que j'en ai essayé pas mal aussi en échantillon. Donc, je vais pouvoir vous. Si on m'avait dit un jour que je pourrais faire une revue The Body Daily, rappelez-vous dans ma vidéo Wishlist. Les produits que j'aimerais avoir, il y avait The Body Daily et mon Dieu, mon vœu a été exaucé. Donc voilà, c'est le produit chez The Body Daily, hormis les produits corps, etc., que je voulais, voilà, dont je rêvais plutôt, hein, parce qu'il est très cher aussi. C'est la crème de la rose. Voilà, si vous connaissez The Body Daily. Cette crème, elle est régénérante. Elle est à la rose, à la vitamine A, au liposome, au COQ10, à la baie de goji. Enfin, elle a une composition extraordinaire, 60 grammes. Et vous savez que moi, je ne suis pas très crème parce que les crèmes que j'utilise ne sont jamais suffisamment hydratantes et nourrissantes. Donc, je me dirige plutôt, bah, sauf l'été, hein, parce que quand il y a eu la canicule, quand vous avez vu mes routines, c'était minimaliste. Et le gel Batiste de Antipode me suffisait amplement. Mais l'hiver, c'est vrai que je me dirige plus vers des huiles et des baumes, parce qu'il n'y a aucune crème qui est suffisamment riche pour ma peau. Et là, je vais vous présenter celle-ci et une autre que j'ai reçue, pareil, qui était dans une box Wella, donc d'une abonnée dont j'ai rencontré le mari. Je vous raconterai ça tout à l'heure. La crème de la rose, déjà, elle a une senteur, donc je l'ai bien utilisée déjà, hein, donc il en restait énormément. Elle se présente comme ceci. Elle sent la rose, mais pareil, alors c'est pas aussi puissant que le pétale masque, hein, qui a vraiment une odeur de rose très puissante, très apaisante, très doudou. C'est plus léger. Elle a une texture, je vais vous montrer. Pas beaucoup, hein, parce que j'y tiens à mon produit. Hein. Voilà, elle a une texture qui est assez exceptionnelle, parce qu'elle est très riche, très douce. Elle pénètre tout de suite dans la peau. Vous pouvez vous maquiller tout de suite après parce que elle a un effet mat. Elle me fait un peu penser en moins grasse encore à la crème de James Rivner, la OO Cream que j'ai utilisée longtemps. Une odeur très très douce. Et la peau après, vous avez la peau qui est hyper enveloppée, qui ne manque de rien en fait. Il y en a une autre comme ça. Donc, comme disait Aurélie dans sa vidéo qui date d'il y a 4 ans sur la revue The Body Daily quand c'était arrivé chez The Green Jungle Beauty Shop, il est tard. Donc, excusez-moi pour les bafouillages. Elle disait que ça l'avait réconciliée avec les crèmes parce qu'apparemment elle non plus n'aimait pas trop les crèmes et je la comprends. Ça suffit en fait, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas d'effet gras, on n'a pas l'impression d'avoir mis une crème parce que ça pénètre très bien, mais on a la peau très douce, très voilà, très repulpée.
pas botoxé, mais très repulpé. Et il n'y a besoin de rien d'autre en fait. Alors évidemment, on fait sa routine avant. Hein. Moi, je mets tout le layering. Mais elle est exceptionnelle, cette crème. Donc, elle est effectivement aussi au frigo. Je vais y arriver. Elle a une composition merveilleuse. Je vous en ferai une revue rapide quand on l'appliquera ensemble. Je la connais bien parce qu'il y a un moment que j'ai reçu le colis. Et il en faut très peu en fait parce qu'elle s'étale très bien. Elle est hyper doudou quoi. C'est une crème merveilleuse. Et pareil, je m'étais dit, oh là là, si elle ne coûtait pas si cher, elle serait dans mon panier et chez moi depuis longtemps. Et merci beaucoup Imane parce que c'est un bijou, mais vraiment un bijou. De toute façon, ce Body Daily, c'est... Alors, quand j'ai regardé, j'ai re-regardé l'autre fois, parce que oui, je re-regarde les vidéos, comme vous certainement, la vidéo d'Aurélie, donc Clélia 2612, sur sa revue The Body Daily, où elle était toute folle en fait d'avoir commandé et que Julie lui envoyait plein plein de mini-formats. Elle disait que The Body Daily existait depuis 15 ans. Sa vidéo date d'il y a 4 ans. Donc ça fait une vingtaine d'années en fait que cette marque existe. Donc pour vous dire qu'il y a du recul et on retrouvait les mêmes produits. Donc voilà, c'est une marque qui a fait ses preuves. Je vous avais dit dans une vidéo que j'avais regardé une vidéo américaine qui datait d'il y a 9 ans. Bah en fait, ça a 20 ans quoi. Donc voilà, ils n'ont plus à faire leurs preuves quoi. Donc je suis trop 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 contente, mais vraiment, mais c'est trop gentil, Imane, je suis ravie. Et elle m'a envoyé un autre produit, The Body Daily, mais là, je suis désolée, Imane, il a tourné, en fait. Il a tourné, il sent le rance, et je suis trop, 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 trop triste, vraiment, parce que c'était la Light Fashion Émulsion, donc je pense que c'est un nettoyant. Ouais, c'est un nettoyant, bah voilà. Mais comme ce sont des ingrédients hyper frais en fait, voilà, super food, c'est-à-dire que ce sont des ingrédients frais, peut-être que pendant le transport, bah, il a eu trop chaud, quoique, bon, non, il faisait pas encore trop chaud à l'époque, mais il a tourné, il sent le rance. Donc, je vous montre la texture, c'était une texture bah, toute douce apparemment, hein. Voilà, gélifiée un peu, enfin crème, je vais vous remontrer. Ça coule, c'est pas grave, de toute façon je peux pas l'utiliser, je l'ai utilisé une fois, ça a tourné. Je suis trop trop triste, vraiment trop trop triste. Voilà, c'était tout doux, un nettoyant tout doux qui aurait vraiment correspondu à ma peau, mais bon, je peux pas l'utiliser, je suis vraiment désolée, Imane. Ça doit être pendant le transport à mon avis. Hein. Voilà, donc bah, je vous le montrerai pas en fait en application parce que vraiment. Ça a vraiment tourné quoi. Je suis vraiment triste. Quand je l'ai utilisé, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas. Voilà, donc ça faisait 60 grammes. Je suis trop, trop, trop déçue. Enfin bon, j'ai ma crème de la rose. Ensuite, elle m'a offert des échantillons. Je suis trop contente. Donc, Patika, vous savez que c'est une marque que je connais très peu. Elle m'a envoyé deux échantillons. Ça se présente comme ceci, de la marque Patika. Donc c'est une petite capsule, comme ça. Et c'est alors c'est pour les rides, les rides et la fermeté du visage, le sérum repulpant fondamental à l'acide hyaluronique pur et végétal. Voilà. Donc ça, je suis super contente, hein, parce que moi, vous savez que l'acide hyaluronique, j'en use et j'en abuse. Et je me suis rendu compte que j'avais bientôt terminé mon satin naturel. Donc je ne sais pas, la prochaine fois, je pense, bon, il est un peu plus cher, mais il y a toujours des réductions sur Amazon. Alors, satin naturel et green kératine, je vous le dis, si vous ne voulez pas commander sur Amazon, ils ont un site. Alors, c'est peut-être un peu plus cher, mais satin naturel, c'est allemand. Donc, vous commandez en Allemagne, donc c'est en Europe. Petite précision inutile, je pense que vous le savez. Et Green Keratin, c'est anglais. Donc voilà, bon, je pense que vous recevez aussi rapidement. Je pense que quand même, pour tester, je vais tester le Green Keratin parce que Salima m'avait envoyé
le sérum Green Keratin parfumé, parce qu'il y en a deux, il y en a un parfumé à la rose et l'autre sans parfum. Et beaucoup de celles qui l'ont utilisé, dont moi, dont Salima, enfin dont Salima et moi, c'est plus poli, ça nous a donné des petits boutons en fait. Donc ils en ont fait un sans parfum. Et je pense que pour tester, voilà, puis pour vous faire connaître d'autres produits, je testerai aussi celui de Green Keratin, qui est un excellent produit. Il s'appelle le ELMW, je crois. Voilà, donc acide hyaluronique, moi, c'est ma vie, hein. Ensuite, ça, c'est une marque qui a fait le buzz cet été sur Instagram, si vous êtes au fait de tous les produits. C'est la marque Rudolf Care, voilà, qui a été créée par Andrea Rudolf. Et là, elle m'a envoyé. Alors, ils ont fait le buzz par rapport à une crème solaire Protection 50 qui ne fait aucun effet blanc, enfin qui est géniale apparemment. Bon, moi, je ne l'ai pas. Et là, c'est l'huile faciale, l'huile visage, facial oil, l'huile visage à l'açaï, donc à la baie d'açaï, donc aux fruits rouges, concentrée. Pour un teint clair et une peau revitalisée, je traduis, donc c'est Cosmos Organique, EcoCert, labellisé. Dedans, il y a de l'huile d'açaï en premier ingrédient, donc c'est bien, de la vitamine E, un parfum naturel, de la glycérine de soja. Point barre. Donc ça, c'est génial. 100% naturel et 99% bio. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est minimaliste parce qu'au moins on sait ce qu'il y a dedans, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc l'açaï, ça va être, je pense, hyper antioxydant. Très très bien. Donc je suis pressée de l'utiliser. Et ensuite, bah, elle m'a offert une petite routine Oh My Cream. Vous savez que j'adore ces produits. Alors, un que je ne connais pas, c'est l'huile correctrice à la propolis, à l'huile de lin, à la vitamine A, à la vitamine C et à la vitamine E. Ça me fait penser à mon sérum satin naturel. Voilà. Vous savez qu'il y a de quoi faire avec un petit échantillon. Alors pareil, quand vous utilisez un petit échantillon comme ça, je vous le dis toujours, mais je le redis pour les nouvelles et nouveaux arrivés, surtout conservez-les au frigo ou carrément, notamment pour les huiles où il en faut très peu, transvasez dans un petit pot que vous aurez lavé et désinfecté à la... au pchipchit à l'alcool à 70 degrés parce que ça s'oxyde vite hein, dans un petit papier comme ça et vous pouvez vraiment faire une réaction après. Donc une fois ouverture, bah, conserver au frigo et à utiliser vite. Donc je suis très contente. Ah bah les in premiers ingrédients de l'huile de macadamia, le deuxième de l'huile de tournesol, après de l'huile de sésame, de l'huile de lin, de l'huile d'argan, de l'huile de cartame. De l'huile de framboise, waouh! De l'huile de Bertholletia excelsa, je ne sais pas ce que c'est, du parfum naturel, du limonène, de l'acide salicylique, et eh bien il y a une super compo, hein. De la propolis, de l'extrait de citron. Eh bien, dis donc, et après, parfum naturel de géranium, de citron et du linalool. Alors là, c'est... Parce que des fois, My Cream, vous savez, les compositions sont... Là, une composition 100% parfaite. Génial. Donc, huile correctrice, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de la propolis assainissante. Mais je pense que c'est une huile utilisable pour tous les types de peau. Donc j'ai hâte de l'utiliser. C'est la meilleure composition de chez Oh My Cream que j'ai pu voir. L'huile repulpante aussi a une super compo. Ensuite, bah voilà, en parlant d'huile repulpante, bah là voilà. Avocat, vitamine A, acide hyaluronique. Je l'aime beaucoup. Elle sent très 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 bon, mais vraiment trop trop bon. Je l'adore. J'en ai encore un paquet dans ma salle de bain. Donc, pareil, une très belle composition de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol, etc., etc. Celle-ci avait une très belle composition, je vous l'avais déjà présentée. Et ensuite, je suis très contente aussi, ça me fait des beaux sérums à l'acide hyaluronique, le sérum hydratant. Vous savez, on l'a déjà utilisé ensemble, c'est un sérum qui n'est pas gélifié, pas blanc, quoi. C'est un sérum laiteux. Donc un peu comme celui de Show Nature,
le sérum hydratance, acide hyaluronique, provitamine B5 et aloe vera. Bon, celui-ci, il a de l'eau en première position, mais tout de suite après, de l'aloe vera, de l'huile de coco, de la squalane, de la glycérine, du beurre de karité. Voilà, donc très très bien. Je suis trop trop contente. Et ensuite, une marque que j'aime beaucoup, parce que Rennes, vous savez que c'est pas ma marque favorite. Il faut vraiment faire attention aux compositions chez Rennes. En revanche, chez Paille, vous pouvez y aller. Elle m'a envoyé le H-Age Confidence Cream à l'échium et macadamia, la crème H Confidence à la vipérine, donc c'est peut-être un extrait de venin de vipère, et à l'huile de macadamia. Donc bah voilà, une petite crème comme ceci, je ne connais pas du tout. Donc j'adore les échantillons, vous le savez, parce qu'on fait de très belles découvertes, je me répète, mais c'est vrai. Donc merci infiniment, Imane. La crème de la rose, je l'applique régulièrement. Ah oui, c'est le nettoyant qui a coulé. Donc tout ça va retourner au frigo, les échantillons dans ma petite boîte. Si ça vous intéresse que je vous fasse, parce que l'autre fois j'ai regardé ma boîte pour fouiner, pour me prendre des échantillons, et j'ai vu que j'en avais beaucoup. Si ça vous intéresse que je vous fasse, qu'on se fasse une petite vidéo, pardon, sur tous les échantillons que j'ai dans ma boîte. J'ai pris une boîte carrée, une ancienne Beautiful Box à laquelle m'avaient abonné mes filles pour 3 mois, je crois. Elles étaient très belles, les boîtes. Maintenant, c'est blissime. Si ça vous intéresse, dites-le moi parce que ce serait sympa de faire un petit tour de tous les échantillons que j'ai à utiliser et à vous montrer. Voilà, parenthèse fermée. Je rapatrie un colis et je reviens. Voilà, et vous arrêtez la vidéo quand vous voulez, vous la reprenez quand vous voulez. À tout de suite. Coucou, me revoilà pour le dernier colis. J'espère que vous n'en avez pas assez. Alors là, c'est un colis que j'ai depuis un bon moment, que m'a envoyé Christelle par l'intermédiaire de son mari. Donc, je te fais un énorme coucou, Christelle. On a beaucoup parlé sur Instagram. Et Christelle avait pareil, des produits. Christelle a la peau très, 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 très sèche. Une peau de croco. Et elle avait reçu des produits dans les box Wella ou les Beauty et Rose, vous verrez, qui ne lui convenaient pas, qui n'étaient pas assez riches. Elle n'en voulait pas. Voilà. Et elle n'habite pas en région parisienne, mais son mari tourne pas mal, connaissait bien ma ville. Et donc, on a fait un échange de colis parce que moi, vous savez que j'ai la peau aussi sèche et j'avais à la fois des produits visage et des produits corps à lui faire essayer, et notamment les baumes Clémence et Vivien qui sont bien riche, hein, bien gras, si vous les connaissez. Et elle a adoré. Donc, tant mieux, Christelle, je suis très très contente. On a fait un échange voilà, de produits, d'échantillons, etc. Donc, j'ai été ravie. On a papoté avec son mari, on a parlé chien. Enfin, c'était très très agréable. Et vraiment, j'aimerais tellement, en parlant de ça, qu'on puisse se rencontrer quand ce cauchemar de Covid sera terminé. J'en ai parlé à Julie Titoranga. Je te fais des énormes bisous, ma belle. C'est vrai que si on pouvait toutes se rencontrer un jour, les abonnés, et puis d'un autre côté, peut-être les Instagrammeuses, les copines Instagrammeuses avec lesquelles vraiment j'ai lié des liens très forts, ce serait une merveille. Et vraiment, de rencontrer ton mari, ça a été super parce que, bah voilà, on a papoté de tout, de rien. Un bon moment d'ailleurs, j'avais Granny. C'est toujours mon point de repère, Granny, en fait, quand je fais des ventes sur le Bon Coin ou que j'achète sur le Bon Coin, etc. Pour qu'on se reconnaisse, en fait, je dis, je serai avec mon Yorkshire. Les gens me reconnaissent tout de suite. Voilà. Donc, bah, elle m'a fait parvenir un très très beau colis. J'ai utilisé tous les produits, sauf bah, quelques-uns dont je vais vous parler. Elle m'a d'abord mis cette, bah, ça c'est pour après, cette jolie bague que j'adore. Voilà. Je ne sais pas si vous la verrez. Elle a deux petites étoiles sur le côté. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça brille avec l'éclairage. En plus, elle est réglable. Je l'aime énormément. Je crois que vous l'avez déjà vu en vidéo bien, bien avant. Et elle m'a offert aussi, pour rester dans les bijoux, elles sont où? Elles sont où? Oh! Ah si, les voilà, elles étaient dans un petit pochon. Des adorables petites boucles d'oreilles. Vous savez que je ne mets pas beaucoup de boucles d'oreilles, mais c'est tout à fait le genre de boucles d'oreilles que je pourrais mettre parce qu'elles sont très, très petites. Voilà.
très jolie petite boucle d'oreille comme ceci. C'est vrai que je ne mets jamais de boucle d'oreille, je n'en ai jamais mis. J'ai toujours trouvé que ça ne m'allait pas. Donc dites-moi, vous, si vous trouvez que ça me va bien. Je n'en mets jamais. Et j'aimerais bien avoir votre avis, mais vraiment, franchement, vous êtes les seuls à pouvoir me donner un avis. Mes filles ne m'ont jamais vu avec des boucles d'oreilles, mais celles-ci, je les trouve super jolies. Ouais, je les trouve très, très jolies. Donc dites-moi, voilà, je vous les mets comme ça. Dites-moi sincèrement en commentaire. Si je peux les mettre, hein. J'ai jamais, je sais pas, je n'en ai jamais mis et à 54 ans, c'est difficile, mais celle-ci, je les trouve vraiment discrètes et très jolies. Donc, et la bague, je n'ai pas de bague, donc j'étais trop, trop, trop heureuse d'avoir cette bague. Voilà. Donc, ça, c'était pour les petits bijoux qui m'ont fait très, très plaisir, je ne m'y attendais pas. Ensuite, elle m'a offert deux vernis à ongles, comme mes ongles auront repoussé. Que je serais moins angoissée par la situation. Je pense qu'on doit être plusieurs de toute façon à tomber dans les, je sais pas, dans des tics, dans des tocs qu'on n'avait pas avant. Et comme on est angoissé, fatigué, lassé, ben voilà, moi c'est les ongles qui prennent, c'est pas grave. Mais quand mes ongles ont repoussé, vous savez, quand je les fais pousser, bah, je mets du vernis et que c'est très joli. Donc c'est de la marque Gloss Natural. Donc bah, ils sont neufs. Voilà. Ils sont très très jolis, donc un petit rose comme j'aime et un joli un rouge voilà un rouge bah, un rouge franc hein, j'ai l'impression. Et gloss natural, bah, ce sont des vernis naturels. Donc c'est américain. La couleur de celui-ci c'est camélia. Hop, très très beau. Et celui-ci c'est Monticello Peach. C'est plus un petit pêche, alors rose pêche. Très très joli, très joli. Donc je suis très très contente. Je réponds à ma maman qui m'a envoyé un message. Vous avez l'habitude et pour me souhaiter bonne soirée parce qu'il est tard. Et si je lui réponds pas, elle va s'inquiéter. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai répondu à ma maman. Elle ne se fera pas de soucis. Ensuite, alors je vais mettre ça de côté. Voilà. Elle m'a offert dans l'ancien packaging, mais ça sent très très bon. J'adore ce produit, vous le savez, puisque je l'ai dans le nouveau packaging. C'est la coco infusion, la poêle à l'ail de Léa Lani, qui sent tellement bon l'été. Je m'en mets même maintenant, quoi, parce que cette odeur, c'est tellement puissant, tellement agréable. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, merci beaucoup. Il en reste, vous voyez, elle est quasiment neuve, mais ce n'était pas assez nourrissant pour elle. Je vous remets droit, peut-être. Toujours mon trépied cassé. Hop! Voilà. Ensuite, elle m'a offert le sérum que j'ai déjà eu, qui a été dans une box Wella ou une Beauty Hero, je ne sais plus, qu'on m'a déjà envoyé en échantillon, mais que j'ai terminé. C'est le sérum, ouais, c'est très liquide, hein, voilà, on le mettra ensemble. Comment elle m'a écrit? Je n'ai pas retenu le nom, donc elle m'a envoyé une jolie petite lettre. Le sérum, voilà, Aloe de Monastery, qui sent la lavande, qui est un très bon sérum hydratant que j'avais beaucoup aimé et je l'ai terminé. Donc, oui, j'utilise des produits, donc ça va retourner au frigo. Ensuite, un très beau produit que m'avait envoyé, je me rappelle très très bien, Claudia, que j'avais eu beaucoup de mal à apprivoiser. Et puis après, bah, j'en avais plus pour savoir comment l'appliquer. Une marque qui est très 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 chère, un peu comme Ayuna. C'est African Botanics. Pareil, ça lui convenait pas. C'est le masque Hydralift Intense. Et en fait, c'est un masque qu'il faut appliquer. Voilà, elle le dit en plus, hein. Voilà, elle le dit. Il faut mélanger ce masque avec une huile. Donc, elle dit évidemment l'huile. Enfin, je dis elle, c'est peut-être un monsieur qui a créé cette marque, je ne sais pas. Il faut appliquer ce masque en fait avec une huile pour en obtenir les effets. Donc, ça sent bon. Je le réessayerai, on le refera ensemble. Il faut le laisser appliquer 15 à 20 minutes et rincer. Voilà, je traduis pour de meilleurs résultats. Ajoutez aussi quelques gouttes ou une crème pour rajouter de la nutrition.
Voilà, on peut l'utiliser tous les jours pour une peau souple, repulpée et revitalisée. Voilà, donc un très très beau. C'est fait en Afrique du Sud, je ne le savais pas. Cette marque, bah oui, African Botanics Valérie. Enfin, ça aurait pu être un nom qui n'a rien à voir avec la provenance du produit. Donc voilà, Intensive Marine Infusion Treatment. C'est vrai que ça sent un peu le. C'est un peu marin, ouais. Donc c'est un très très bon masque, mais encore une fois, il faut savoir l'utiliser. Donc parce que moi, en fait, quand je l'avais mis, il pluchait, voilà, il pluchait. En fait, j'avais appliqué le masque sans huile et en séchant, en fait, il séchait. Et après, je touchais ma peau, ça me faisait plein de peluches. Donc j'avais dit, mais j'ai pas aimé ce masque. Donc, à appliquer correctement, je pense, vu le prix du produit, qui doit être très très efficace. Donc, il reste ouais, quasiment. T'as pas dû l'aimer du tout, Christelle, celui-ci. Il est quasiment plein. Donc, je suis très très contente. Ensuite, elle me dit qu'elle m'a mis, et je l'ai déjà fait, donc vous retrouverez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je l'ai mis à la une en story, en story à la une. Sur mon Instagram, j'ai déjà fait ce masque. C'est son masque chouchou de Malaya. Donc, vous pouvez retrouver la marque chez The Green Jungle Beauty Shop. Il y a Criminal Beauty aussi qui fait Malaya, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas le masque. Donc, j'ai vérifié, vous le trouvez chez Julie. C'est un masque déjà qui sent très bon. Il sent le miel en fait, hein. Voilà, donc je l'ai déjà fait une fois. Il est très très chouette, il est au miel, donc on peut le laisser poser, ils disent 15-20 minutes, mais moi les masques au miel, je les laisse poser le temps que je veux en fait, parce que ça ne sèche pas, que c'est pas, il n'y a pas de désagrément en fait. Et il éclaircit vraiment le teint, il a de magnifiques ingrédients. Donc il a du miel de Nîmes ou de Nîmes, il a de l'huile de cassis, qu'est-ce qu'il a d'autre? Je vous ferai la revue parce que là, il est tard et je ne me souviens plus. Il a d'excellents ingrédients. C'est un très très bon masque et je comprends que ce soit ton chouchou. Donc merci beaucoup parce qu'elle m'en a mis vraiment beaucoup. Ça sent très très bon, hein. Ça sent le miel, quoi. Voilà, j'adore ces odeurs naturelles. Ensuite, alors elle m'a mis, ça ne lui a pas plu, un produit qui avait été dans une Beauty Rose ou une box, voilà. Qui n'a pas fait l'unanimité et je le comprends. C'est de la marque Le Par. Donc, elle m'a envoyé le full size. Donc, c'est une très très belle marque, Le Par, qui est connue aussi pour son baume. Qui est une huile. Alors, ils disent Woolistic Luxury Skincare. Donc, une huile pour le corps qui a de merveilleux ingrédients. Voilà, tout ça, ce ne sont que de merveilleux ingrédients. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout sensorielle. Et c'est ce qu'avait dit Laurence de la chaîne Bourique 06, qu'elle l'avait trouvé très très efficace et effectivement, mais elle sent l'huile d'olive, l'huile de tournesol, elle sent l'huile de cuisine en fait. Mais en revanche, je l'ai essayé et j'ai mis de côté le côté sensoriel pour tout simplement apprécier le côté nourrissant de cette huile. Je vais vous montrer. Donc, elle se présente comme ceci et c'est une huile très épaisse. Mais qui nourrit vraiment très 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 bien. Donc elle s'étale bien, mais elle accroche à la peau. Hein. C'est pas une huile évanescente comme ça. Et alors vous avez la peau très très nourrie. Alors moi, ce que je fais pour apprécier cette huile, tout simplement, c'est que je la mélange avec l'huile poil l'ail de Léa Lany. Voilà. Et il y a le côté olfactif de la Léa Lany. Et vraiment le côté ultra ultra nourrissant de l'huile Le Par. Elle sent oui, elle sent les huiles végétales. C'est pas dérangeant hein, parce que vraiment elle nourrit la peau. Waouh. Je peux vous dire que vous sentez que votre peau. Voyez surtout ici, je le sens. On a toujours la peau au niveau du coude qui est sèche et vraiment elle est très très nourrissante. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette huile et je suis. Voyez, ça se voit. Hein. Mais en même temps, elle n'est pas grasse. Elle est nourrissante, mais elle pénètre très bien. Et il n'y a pas d'effet gras. Donc, c'est une excellente huile. Et venant de Le Par, ce n'est pas étonnant. Laurence adore cette marque.
Donc, c'est la Luxurious Body Firming Oil. Donc, c'est une huile raffermissante. Bon, moi, j'y crois pas. Hein. Si on veut se raffermir, il faut faire du sport, hein, Valérie. Et oui, peut-être se brosser à sec, le brossage à sec, si ça raffermit la peau. Voilà, pour les hommes et les femmes, ça aide les tissus à être plus forts, plus resserrés. Moi, je n'y crois pas. Donc, ce ne sont que des huiles. Que des huiles. Il y a du santal quand même. Ça sent pas le santal, hein. Ça sent vraiment les huiles végétales. Et je sais que Laurence avait été hyper déçue. Pas de l'efficacité, mais de l'odeur. Je le comprends, mais je l'utilise parce que, encore une fois, mélangée à une autre huile, elle est excellente. Ensuite, là, deux produits qui n'ont pas convenu, qu'elle m'a envoyé. Là, elle avait juste pris un tout petit peu. Et l'autre, neuf, je crois, où tu l'avais utilisé vraiment très peu, parce que moi, je l'utilise et elle était neuve. Ils avaient eu, je dis ils, ceux qui sont abonnés à la box Voilà, avaient eu des produits Votari, qui sont des produits très onéreux, d'excellente qualité. Alors là, pareil, au niveau olfactif, il n'y a pas grand-chose, mais alors au niveau efficacité, j'adore. C'est la crème dont je vous parlais quand je vous ai parlé de la crème de la rose de The Body Daily. J'adore cette crème. Cette huile, il y a, alors c'est la Feed Your Skin de Votari. Voilà. Et c'est une huile qui a énormément, énormément d'oméga 3, 6, 9. Que des huiles excellentes pour le visage. Moi, j'adore les huiles, vous le savez. Elles sont pas trop mauvaises. Ça sent un peu comme la crème. Donc, c'est une excellente huile. Hop, je vais vous montrer. Elle se présente comme ceci. Alors, pareil, elle est très très nourrissante. Elle sent aussi les huiles, hein. Il n'y a aucun parfum en fait. Mais voilà, c'est une très bonne huile pour le visage. Moi, j'adore. Alors, soit on l'applique par-dessus. Moi, je ne fais pas ça. J'aime pas appliquer l'huile en dernier. Et pourtant, c'est à peu près. Enfin, je pense que beaucoup pensent que c'est la meilleure façon d'utiliser les huiles. Moi, je préfère mettre mes huiles par-dessus mon sérum et ensuite mettre une crème ou un baume. Voilà, après chacun fait comme il veut, hein. L'important c'est qu'on applique des couches. Elle est vraiment, moi j'adore, hein. On a la peau vraiment bien nourrie, bien hydratée. Et la crème, un petit bijou, on en parlait avec Salima l'autre jour au téléphone parce que elle l'a eu. Elle est abonnée à la box Voilà. Salima, tu es abonnée ou tu l'achètes quand tu veux? Alors cette crème, elle est très très riche. Je vous montre la texture. Elle me fait penser un peu à la Flower and Spice, celle qui sent la coriandre qu'elle m'avait envoyée Claudia. J'ai fait un coucou Claudia. Alors c'est ce qu'on se disait avec Salima. Quand on la sent comme ça, elle sent les huiles. Et en fait, quand on l'applique, il y a une jolie odeur un peu douce, pas du tout désagréable. Mais ce que j'aime, je me suis lavé les mains tout à l'heure en prévision, à la coupure de la vidéo. Elle est. Alors pareil, elle contient énormément d'huile et de beurre. Donc très très nourrissante. Et elle est dans la même veine que la The Body Daily. C'est-à-dire que, voilà, elle me suffit. Alors, je vais vous montrer. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, elle est bien riche. Vraiment bien riche. Hein. On a le temps de la masser. Et elle est très enveloppante, très nourrissante. On a la peau très, très douce. Et vraiment, ou je l'applique le soir, ou je l'applique le matin. Et elle tient 12 heures. Elle est vraiment, là vous voyez, je sens encore la crème. Donc c'est pas une crème qui va pénétrer immédiatement. On a vraiment voilà, l'effet n'est pas gras du tout. Vous voyez? Et elle est mais d'une richesse, je l'adore. Mais vraiment, Christelle, tu dois avoir la peau vraiment très 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 sèche parce que celle-ci, elle est vraiment. Ou alors c'est moi qui ai une peau normale maintenant. Ouais, elle a une odeur pas désagréable, hein. Après, ça sent pas les fleurs, ça sent pas les fruits. Mais moi, c'est l'efficacité qui compte. Hein.
Voilà, donc là on la sent encore. Voilà, on la sent encore. Plus encore que la crème de la rose qui va vraiment avoir cet effet mat tout de suite. Cet effet, oui, j'ai rien mis en fait sur ma peau. Là, elle a vraiment un effet qui perdure sur la peau. J'adore cette crème. Je l'adore. Et tu vois, Christelle, je l'utilise, je la creuse, je l'adore. Hop! Donc merci beaucoup parce que bah, ce sont de magnifiques produits. Ensuite, elle m'a offert. Alors là, il est un peu sec, mais en fait, je vais lui mettre tout simplement de la vitamine E pour le liquéfier. Un produit que je voulais beaucoup utiliser, essayer. C'est le correcteur Clove & Aloe, le préféré de beaucoup. Il y a Sophie, des Caprices de Sophie, et surtout Aurélie, Clélia 2612. Elle s'en sert de correcteur et de fond de teint carrément. Donc, elle me l'a envoyé en teinte 02. Hop, il a un petit peu séché, mais je vous dis, comme ils sont très bons, je vais lui mettre, voilà, en plus c'est parfait au niveau de la teinte. Moi j'aime bien quand ça éclaircit le dessous d'œil. Voilà, il a l'air bien couvrant quand même. Et bon là en même temps je l'ai appliqué sur la crème, donc c'est normal qu'il s'étale bien. Donc je vous dis, hein, quelques gouttes de vitamine E, je vais remuer avec le bâton et zou. Ensuite, super, là j'étais super contente parce qu'il est neuf. Elle m'a envoyé un gloss, enfin c'est pas un gloss, c'est vraiment comme un lip oil de Ilia en teinte Peekaboo. Peekaboo, donc c'est un joli rose. Rose marronné un petit peu, je dirais. Je vais vous montrer ça. Il est super. Ouais, il est rose marronné. Il tire plutôt voilà, vers le marron. Il est super joli. Il ne colle absolument pas. Il est très huileux. Vraiment, j'adore. Ouais, super beau. Et il est bien pigmenté, hein. C'est un gloss à lèvres, en fait, hein. Voilà. C'est pas un lip sérum. C'est vraiment un gloss à lèvres. Et j'adore la couleur marronnée. Ensuite, vous vous demandez pourquoi j'ai fait des swatchs comme ça. Parce que vous savez que chez Rituel de Filles, alors les packagings sont pourris chez Rituel de Filles pour leur fard à paupières. Moi, je m'étais acheté sur Vinted il y a un moment un incontournable. C'est le Half Light. Ouais, ces petits pots-là sont très jolis. Mais alors, pour prélever le fard, c'est la galère. Voilà. Qui est très 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 joli. Rituel de Filles, c'est vraiment une très belle marque. Et il est là. Voilà. Donc c'est un bronze en fait, hein. Un bronze un peu irisé. Voilà. Il est super joli. Et elle m'a offert le Golden Age. Regardez cette couleur. Il est trop beau. Voilà. Donc les deux couleurs ensemble, c'est quasiment l'accord parfait. Et il est là. Donc c'est un bronze plus foncé. Voilà, un marron clair et un marron foncé. Regardez comme c'est joli. Très très joli. Donc ça, c'est tout à fait mes teintes, hein. Voilà. Et avec. Ah bah le gloss, je l'ai effacé. Mais avec le gloss qui était un peu marronné, ça peut faire un très joli maquillage. Donc on fera ça ensemble. Et ben voilà, je dirais, mais c'est beaucoup. Donc, merci beaucoup, Christelle. Vraiment, bah, j'aime tous les produits et je te dis, Votari, ouais, en ce moment, voilà, c'est où je mets un baume, où je mets la crème de la rose ou la crème Votari. Génial. Et là, vous voyez, j'ai la peau, mais super douce. Elle est peut-être encore plus nourrissante, je dirais, que la crème de la rose, la Votari, hein. Très, très belle composition. Magnifique crème, vraiment. Donc, merci beaucoup à toutes. C'était le dernier colis. Je sais que la vidéo a été longue. Maintenant, vous la coupez comme vous voulez. Moi, ça me permet comme ça maintenant de passer à d'autres vidéos. Je vous ferai découvrir le colis de Angela.
qui est conséquent. Donc, et puis là, je suis fatiguée, je commence à bafouiller. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, de toute façon, Angela ne m'en voudra pas. On est amis, vraiment amis. Et elle sait très bien que je vous présenterai le colis. Et comme elle me dit, ce n'est pas du tout une obligation, mais moi, j'y tiens. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo, parce que là, je pense que la vidéo est suffisamment longue. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que voilà, ce blabla quand même sur les produits vous aura intéressé. Et prenez soin de vous. Pardon, la voix va partir. Et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Valérie va aller faire dodo. Allez, au revoir, à bientôt.